Salut, donc pour Let's Play, hein. Et du coup bah, j'ai choisi un jeu qui me tient à cœur, qui est mon quatrième jeu sur DS, et c'est Sport Créature, et il est bien. Du coup bah, c'est, comme c'est indiqué là, c'est sorti en 2008, donc, par Maxis. Et j'ai absolument aucune information dessus, donc on va commencer. Du coup, on va vérifier les options. Hein. En fait, on va rentrer, salut. En vrai, ce jeu, il est bien. Alors... Du coup, bah... Ça c'est évident. Attendez, comment, qu'est-ce que c'est que ça? Le Galaxy Sport, vous y trouverez des têtes peuplées de créatures de toute taille pour relever les défis auxquels elles sont confrontées et vous y en ramassant de nouveaux éléments. Pendant une mystérieuse continuation s'est récemment répandue dans la galaxie, provoquant la mutation des galaxies créatures de sport. L'une responsable de ces continuations a jeté son dévolu sur une planète de Tapti, et son plan comporte une faille. Une petite créature va lui causer quelques difficultés. Waouh, on a réussi! Jamais je n'aurais cru que la vie sur cette terre ferme serait si dangereuse. C'est très gentil de m'avoir soumis la mise, petit bonhomme. Tu sais, je te dois. Petit bonhomme? Et où est-il? Petit bonhomme. Ah, te voilà, petit Woody. Tu sais, nous allons devoir nous serrer les couilles dans un monde tout nouveau. Faisons un pacte de protection. Je ne sais pas ce que c'était cette chose volante, mais je n'ai pas l'intention d'attendre qu'elle revienne. Ensemble, nous allons trouver un moyen de quitter cette île, et vite. On peut se déplacer. Voilà, donc ça... Donc, ce jeu, c'est un... Je sais pas... C'est un petit RPG, bon, c'est un sport quoi. Je sais pas si j'ai besoin de présenter le jeu. En tout, il est bien. Donc, on peut se déplacer comme ça, machin. Donc, objectif planète Tapti, zone freeze. Ou fried, on peut dire freeze. Apprendre à survivre et à évoluer. Déjà. Donc. On va aller récupérer machin. Déjà, donc ça c'est. Voilà. Alors, qu'as-tu trouvé à l'ami? Une espèce d'élément. Ça doit bien servir à quelque chose. Je vais les chercher. Nouvel objectif. Trouver et ramasser l'élément bouche. Donc du coup, tous les jeux sport. Hein. On a ce qui s'appelle les éléments. Qui vont permettre à faire un joueur à customiser son personnage pour à manger plus de choses, enfin, se soigner plus vite, taper plus fort, ce genre de choses quoi. Donc, hop, dent de lapin. Un meilleur métabolisme donne davantage d'énergie quand vous mangez. Une bouche, ça tombe bien, j'adore parler. Il me reste 80 nids où je pourrais l'installer. Donc,
objectif atteint. Donc, installer les mots bouche dans le i. Là, tu vois, on voit la croix et l'installer. La croix, il y a une croix, l'objectif atteint. Un i, c'est l'endroit rêvé pour essayer ma nouvelle bouche. En touchant l'icône œuf, je ferai apparaître l'atelier des créatures. Et là, on entend le cœur du gameplay passeport. Hop. Bienvenue dans l'atelier des créatures. Dans cet espace, vous pouvez ajouter, enlever, redimensionner ou changer la couleur des éléments de votre créature. Pif. Pour ajouter un élément bouche, touchez l'icône que nous sur la gauche. Merci, là. Monsieur le navigateur de l'élément bouche, ajoutez une bouche et votre créature pourra manger et lancer des attaques. Touchez deux fois un élément bouche pour l'envoyer vers l'atelier des créatures. Donc là, ce qu'on a reçu, c'est ce truc dégueulasse. Dents de lapin. Aussi une dent d'ours. Quoi qu'elles sont plus un museau de loup, voilà. Mâchoire et croque-fredin. Touchez et faites glisser l'élément sur la créature pour l'installer. Et ça c'est le corps du céléon. Pas mal du tout pour installer votre élément que le nombre de points corps le permet. Gagnez davantage de points corps en passant à un niveau supérieur. L'installation d'élément avec l'icône de sociabilité fait oublier l'icône l'indice social. Plus l'indice social est élevé, plus il est facile de faire créer un ligne avec les autres créatures. L'installation d'éléments avec l'icône d'attaque fait monter l'indice d'attaque. Plus votre attaque est puissante, plus les causes de dégâts, de dommages aux créatures adverses dans un combat. L'installation d'éléments avec l'icône de défense fait monter l'indice de défense. Plus votre défense est élevée, plus elle réduit les dommages infligés par les autres créatures au combat. Personnalisez votre créature à l'infini. En cas de besoin, touchez le point d'interrogation pour faire apparaître le menu d'interstitiel. Touchez la croix dès que vous avez terminé. Réduire la taille, machin. Et il bouge. Voilà, un peu machin, on peut tourner. On peut colorer, etc. avec là. Hop. Bref. Alors, on va partir sur une nouvelle base. Hop. Je vais placer du code pour le c'est pour enlever tous les éléments. Putain, c'est pourri. Corps important. Ouh. Là c'est un corps plus gros, du coup on met la place, et pop. Je sais si tu le coupes, on le met là, et hop. Plus votre métabolisme est fort, plus vous gagnez de points de vie en mangeant. Des forces. Voilà. On va augmenter un peu la taille. Hop. Bon, l'instant, il ressemble à rien, mais. Voilà. Il a un petit chapeau. Du coup, là, on peut choisir les motifs. Personnage. Non, pas ça. Hop, là on peut choisir les couleurs. Moi je choisis un truc un peu sobre. C'est un peu moche, mais ça fait le taf. Les yeux. Et on va l'appeler. On pourrait l'appeler, tiens. On va l'appeler Habitio. Parce qu'apparemment, le beurre, on n'a pas le droit. Personnalité mesurée, donc régime tout ce qui se mange. Comme vous pouvez voir en haut à droite,
pomme et un icône de viande. Puis je suis omnivore, donc je peux tout manger, ça me soigne. En société, peu attachant. J'ai 3 points de social, puissance d'attaque moyenne, niveau de défense léger, métabolisme estomac ovulant, qualité de la vue flibard, longtemps j'ai 0 de vue, recharge énergique lente, dégâts doubles, rarement, vieux pouvoir, grosse carence, tant j'ai bon pouvoir, ça on y prendra plus tard. Donc voilà, là je ressemble à rien, et j'ai atteint mon objectif. Ne t'inquiète pas, Psychopi, tout le monde n'est pas méchant sur la Terre. Nous pouvons sympathiser et faire ami-ami avec d'autres créatures. Nous aurons besoin d'amis pour quitter cette île. Objectif, faites ami-ami avec le Tapetoup solitaire. Donc, le Tapetoup, c'est cette merde là-bas. Ressemble à rien. La première nouvelle espèce a été trouvée. Je peux consulter les espèces que j'encontre dans le kit des espèces dans la sporopédie. Par la suite, touchez la nouvelle fenêtre espèce trouvée. Nouvelle espèce trouvée, je dis qu'elle apparaît ou appuyez sur Start. Pour accéder à la sporopédie. Puis Tapetoup. J'ai les pattes de Tapetoup, la queue et la bouche. Bref. Ouais, vous voyez. Putain, le bruit. Donc, il y a énormément d'espèces trouvées. Il y en a deux espèces trouvées tout en terre, donc il y a les goobies aussi. Une petite goobie. Voilà. Aussi en apprendre sur eux, donc ces créatures sont dotées d'une capacité d'évolution très rapide. C'est pour cette raison qu'on les considère comme le chaînon entre les créatures et les sporiens. Ces créatures issues du Tapetoup vivent dans un climat relativement paisible dans les champs des îles, malgré leurs différends avec les striculés. Je dois attirer l'attention de ces créatures. Vous voyez l'icône en bas à droite, cette icône représente le cri social. Touchez-la et toutes les créatures alentour répondent. Donc, ce que je veux faire, c'est m'approcher de lui, faire le petit icône en bas à droite. Il va se tordre dans tous les sens. cette créature est un Tapetoup, elle veut être câlinée. Touchez l'icône multicône située au-dessus du Tapetoup et frottez-le avec. Une jauge indique le degré d'amitié. Le Tapetoup a l'air bien plus content et plus amical maintenant. Il est temps de faire agir le charme. Si j'appelle encore le Tapetoup, je pourrais le faire danser avec moi. Hop. Le Tapetoup a très envie de danser. Faites glisser la fleur sur le Tapetoup pour lancer le rythme. Bienvenue dans le jeu de la danse. Pour réussir, touchez les lumières dès qu'elles atteignent le centre des fleurs. Bonne chance. Des songes un peu perdus. Bref, si on regarde les yeux. Ah, quel plaisir, mes qualités de danseur en qualité. Je suis un peu rouillé. Mon convaincu, il t'a pas tout d'être mon ami. Il m'a même offert un cadeau, un autre élément de créature. Tu as vu le petit goût, ils sont très vite aimés de tous. Nouveau objectif. Faites ami avec les Tapetoup. Je devrais demander à mon nouveau ami Tapetoup de me suivre. Si je touche de nouveau le Tapetoup, cela fera apparaître les icônes d'action des options amicales. Déjà, on va récupérer le merde. Ombre. Lorsqu'on devenait social, il est plus facile de faire ami avec deux créatures. Voici l'icône suivre, celui avec des empreintes de pattes vertes. Touchez l'icône suivre et mon nouvel ami voyagera à mes côtés. Donc, suivre. Facile, maintenant ce Tapetoup va me suivre dans toute l'île. Si seulement je savais où se trouvent les endroits les plus froids. Putain, le crise cardiaque. Je me suis amélioré, je m'améliore et j'ai évolué en cumulant des points d'intelligence. La jauge de l'écran supérieur indique ma progression vers le niveau suivant. En m'améliorant, je gagne davantage de points corps, de points de vie, de points d'énergie. À moi de gagner l'intelligence par tous les moyens. Je suis amélioré, plus 10 de corps, plus 16 de vie, plus 16 d'énergie. Objectif atteint. Voilà.
Déjà, on va retourner vers le nid. Non, vous avez compris, on va retourner vers le nid. Enfin, surtout, on va retourner chercher un autre truc avant. Putain, les caméras, allez. À ce jour, le seul problème, c'est les caméras. Bon, tous les TPS, il y a un problème avec la caméra. Hop. Il a joué un backrob. Et si vous me souvenez bien. Fef. N'est pas de backrob. Atténue et bloque davantage les attaques ennemies. J'adore ce jeu vraiment. Ça ressemble à rien ce truc là, bordel de merde. Allez. De secours. Alors, pas de backrob. Je ressemble de moins en moins à quelque chose. C'est quand même magique ça. Les petits bras arc là. Je ne ressemble à rien. Voilà. Et c'est parti. Pour l'aventure. C'est une grosse araignée. Oh, c'est bon. Dis donc l'affreux. Bah les pattes, laisse petit quick tranquille. Le pacte Pacificus, ça ne dit rien. On va pouvoir mesurer ton courage face à moi. Et non, mais il a rien fait, il est trop gentil. Il est trop mignon. Si je fais apparaître les icônes d'action et que je touche l'icône combat, alors le combat commence. Mais je peux pas faire ami avec lui. Vas-y, mais wesh. Nouvel espace trouvé. Alors, les striculés. Les striculés sont vilaines petites araignées, loin d'être aussi fortes qu'on le prétend. Quiconque possède un minimum de force n'aura rien à redouter de leur part. Ouais, c'est le trop classique du... Ça aurait été terrifiant, mais en fait, non. Ouais, j'aurais bien voulu, moi. Je dois la tuer. Alors... Bon bah, je l'ai tué. Hop. J'ai gagné un niveau, donc je peux aller rajouter des trucs dans le lit. Ah, une grosse bouche. Mais par contre, là, j'en sens plus rien. Là, y a plus rien à faire. Quelle horreur. Ah. Je vais où? Alors... Donc là, c'est la petite caverne. L'étape à tout, on dégage un nouveau passage. Avant de partir, je dois m'assurer que cette île soit sûre que les... Pour les taper tout pour aller débarrasser les vilains striculés qui restent. Alors, on peut triompher de tous les striculés. Et attends, Tigoui, tu vas plutôt fuir pour une créature sans pattes.
Eh mais non. Eh, reviens. Cette espèce vient de Scoop, vient d'envoyer le petit Woody. Qu'est-ce que c'était? Une créature métallique? Un véhicule? Une pieuvre volante? Je dois partir à sa poursuite. Reste à l'abri. Si tu peux, petit bonhomme, je te retrouverai. Je trouve un icône de planète. Si je trouve les 10 jetons des chaque planète, je crois que je serai bien récompensé. Je commence à retrouver la main du vide. Unique, deux créatures, je peux avoir deux autant d'ennemis que je veux, mais je ne peux tuer que par deux créatures à la fois. Oui bah écoute, tu veux des fruits, mais attends, voir si je peux pas faire ami avec lui. Tiens! Apparemment. Se régénérer. Patte arrière striculée. Hop. Et on va. Tiens, bouffe, connard. Oh putain, l'euro. Et il est aussi beauf que moi. Mais laisse-le bouffer, connard. Ridicule. Bref. Et oui, mais en même temps, il se laisse pas bouffer l'autre. Ça me saoulait. Alors, bon, mais il veut encore danser. Perfection. Yes. Alors, il va crever la soirée du social, machin. Hop. Et oui, mais ta gueule. Il me saoule. Bref, on va aller. La gueule. Oh. Aggrave les dommages de votre attaque perpétrée par cet élément. Que striculé. Putain, mais oui, mais. Permettez-moi de déguster les entrailles de mes adversaires. Et fermez-la. Hop, et. Hop, ça c'est fait. Alors. Ou bah. J'ai fait tous les objectifs. Et je vais rentrer au nid. Pour
me refaire une beauté. On va dégager tout ça. Tac, tac. Petit corbac robe. Oh vache, oh, c'est bon. Putain la gueule. J'ai un peu teubé, mais c'est pas grave. Hop. Et hop, voilà. Putain, j'ai l'air trop. Voilà, c'est bon. La petite queue. Je vais pas lutter, plus l'attaque est critique. Si l'attaque est critique, bah elle est plus puissante. Y'a pas de. Y'a pas de truc en plus. Ouais. Alors. Rien rajouter de plus, mais c'est pas grave. Vas-y, je peux rajouter ça. Bon, c'est une fois trop gros. Une fois de plus, je ressemble à rien, c'est pas grave. Personnalité agressive. Je suis un monstre. Bref. Je sais même pas combien de temps ça fait que je recorde. Ouais, 27 minutes, ça va. Hop. Vous vous sauvegardez? Bah oui, évidemment. Progression de sauvegarder. Oula! J'imagine qu'il commence à perdre des pièces. Enfin, genre, il a perdu l'équivalent de tout le vaisseau, mais le vaisseau il est intact. Ça, c'est vraiment Trunkle. 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 Ça, tu peux qu'il s'est beaucoup souffert. J'espère que petit lui va bien. Il doit me rendre sur les lieux de l'accident, mais l'eau est trop profonde. Il doit y avoir un autre moyen d'aller là-bas. Trouver l'objectif. L'île du Nid. Cor Chadoua. Alors. Pas moyen de découvrir la grotte de ce côté-ci. Je dois gagner les temps du dos et gagner la terre ferme. Traverser les temps du dos. Caméra. Aïe 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 aïe. Waouh! Je pense que je suis pas encore trop préparé à des gens en eau profonde. C'est normal comme j'ai décidé de vivre sur la terre ferme. Mais comment sortir de cette île? Oh! Quelle synchronisation! Je ne sais pas trop où mène ce tunnel, mais pour l'instant, c'est la seule option dont je dispose. J'ai attiré l'attention de ce moupou. Mais il a l'air inquiet, on va tenter. Sympa! J'ai même rien qu'il me couvre. Mais d'abord, manger quelque chose et il m'ouvrira le tunnel. Excellent, l'arbre donne des fruits que je peux manger. Si bien sûr, je trouve les moyens de faire tout. Toucher l'arbre, apparaître les icônes d'action et sélectionner une icône, secouer l'arbre. Ah, comme ce que j'ai fait précédemment pour les connards. Et.
Tant que le fruit est à terre, je peux le manger. Toucher le fruit, c'est que Nilcon bouche. Incroyable. Mange un bout de fruit, machin. Je t'ai vu, toi. Un joueur Shadowa. Merde. Là. L'accident des dents de la soucoupe a eu lieu tout près d'ici. L'eau est plus profonde, donc je peux y aller afin d'explorer une île et la trouver. Le Moufou m'a retenu des bras pour me remercier de mon aide. Ses bras ont un son un peu bizarre. Cet élément doté d'un biopouvoir. Si je m'en équipe, je disposerai de pouvoirs spéciaux lors des combats. Je ferai bien de l'installer tout de suite. La jauge d'énergie représentée par la barre bleue située à côté de l'éclair, au-dessus de la barre de vie. L'énergie permet l'utilisation des biopouvoirs au combat. Manger des fleurs redonne de l'énergie. Montrer le bras à Moupou. Moupou me fixe intensément maintenant que j'ai l'aimant. Je pense que je devrais retourner vers mon nid et installer l'aimant. Sur moi, pour lui faire plaisir. Pour creuser, je dois toucher l'icône creusée. Putain, mais c'est bon, j'ai compris. Voilà. Et je ne peux pas l'installer. Veille rouge. Hein? Toujours pas. On va enlever ces merdes. Non, toujours pas. Hein? Voilà. Mieux pouvoir soin. Utilisez ce pouvoir pour vous soigner, vous et vos amis. Activation, touchez le signe plus de couleur bleue. Utilisez le signe plus de couleur bleue pendant le combat. N'oubliez pas que l'utilisation des pouvoirs vous coûte de l'énergie. Hop. Et du coup, voilà. Mais avant de continuer... Oui, ta gueule. On va arrêter là. Je sais plus exactement quelle est la commande pour se regarder. On va arrêter là. Donc j'espère que bah, ça vous plaît. Hein, parce que moi je suis aux anges. Et on se retrouve à la prochaine. Salut !